j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur mes peintes gel Beauty Luxe. C'est des petites nouveautés. Donc, chez Beauty Luxe, il faut savoir qu'il y a trois catégories de peintes gel. Il y a les fins, pour faire les très fins. Donc, ceux-là. Donc, en pot, ça donne ça hein, quand vous les voyez sur le site. Et donc, vous pouvez faire des très fins. Très, très fins. Ce style de déco avec. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Voilà pour le orange. Et puis, il y en a plusieurs autres. Donc, pour la deuxième catégorie, nous avons les 3D paste gel. Ceux-là sont un peu plus épais. Avec ceux-là, vous pouvez faire des décos un peu en relief. Je vous ai fait une petite déco, mais bon, je ne suis pas sur les décos encore. Mais voilà à peu près ce que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez faire sur le relief, vous mettez genre des pédales, vous les catalysez, vous pouvez repasser dessus, ça fait tout en épaisseur, ça va. Vous pouvez faire de jolies choses avec. Donc vous voyez un peu la consistance du produit. Je vais vous montrer un autre. Voilà, là on a un beau jaune bien pétant. Et vous voyez, ils sont beaucoup plus épais déjà dans le pot. Donc voilà, en doré. Donc, et pour la troisième catégorie, j'ai pris de la plasticine. Donc c'est des gels en 4D. Cela c'est plutôt pour faire des petites décos, genre des fleurs en 3D. Donc dans le petit close-up, je vous ai fait un petit exemple avec du rose. Je vous ai fait une petite feuille. Vous pourrez voir à peu près comment on le travaille. Ça c'est pour le blanc, le rose. Et du orange. Pour l'instant, j'ai ces trois couleurs-là. J'en prendrai peut-être d'autres si ça me plaît. Je verrai bien. Et j'ai reçu aussi 6 petits vernis de chez Beauty Luxe. Pour le premier, c'est le AC16. De toute façon, vous les verrez en swatch. Ensuite, le 16. On a le AC15. Aussi un joli bleu, le 148 qui est un pailleté. Celui-là il est magnifique, vous verrez après sur le swatch, super belle couleur. Ensuite on a le 19 qui est un violet bien clair. Voilà. Et ensuite le 23 qui est un bordeaux violet, je sais pas trop comment on peut dire. Voilà, la couleur elle parle d'elle-même hein, pour les petits vernis. Et je me suis pris deux autres gels pailletés. Vous les verrez en swatch aussi, je les ai mis sur capsule pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne sur une capsule. Par contre, je trouve qu'une fois mis sur l'ongle, ça fait très épais. Alors, moi, j'ai pensé les utiliser plutôt en incrustation. Voilà, ça, c'est donc le 08. Mais ils sont très, très jolis, vous verrez. C'est le 07. Si on aime le bleu, voilà. Il est magnifique. Voilà pour la présentation des produits que j'ai pris. Et si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez un petit bonus en plus. Alors ne quittez pas trop vite la vidéo. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, laissez-moi un petit j'aime. Activez bien la cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Donc je vous retrouve après les swatchs. Merci, à tout à l'heure.
Alors pour le petit bonus, c'est un petit haul, deux petits hauls. J'ai reçu quelques articles de AliExpress, je voulais vous les montrer. Deuxième, ça sera des articles de chez Action que j'ai trouvé et qui pourraient peut-être vous plaire. Donc voilà, pour commencer, ça fait longtemps que j'en voulais. Il y a 10 ans, quand je faisais encore la clientèle, j'avais ce genre de déco et j'adorais ça, surtout en été. Donc c'est les petits fruits. J'ai trouvé un mixte avec des citrons, des oranges, des fraises, des petites bananes et plein d'autres petits... ça, je crois que c'est pamplemousse, kiwi. Voilà, je trouve que c'était bien. Je vous mettrai tous les liens des prix et des articles dans la description. Surtout, n'hésitez pas à aller y jeter un œil s'il y a des articles qui vous plaisent. Donc voilà pour ça. Ensuite, craquer de nouveau parce que j'en ai plein déjà. Mais bon, moi, je craque vite. J'ai craqué sur des décals. Hein. Donc voilà, j'en ai vu des beaux. Donc, c'est celui-là, en noir et blanc. Des petits oiseaux. Je ne sais pas si vous aimez les petits oiseaux. Moi, j'aime bien. Bon, alors ça, pour ceux qui aiment les licornes, pour cet été, c'est pas mal. Des petits chats, des fleurs, voilà. Des pommes pour cet été. Alors j'ai pris des crânes aussi, j'aime bien. Et pour mes filles qui aiment bien aussi. Des gâteaux, des plumes, des attrape-rêves, encore des plumes, encore des attrape-rêves, des petits crânes. Ça aussi, j'ai jamais trop tenté. Je sais pas, je trouve que les tailles pour les ongles entiers, ça va. C'est à tester. Hein. Je préfère les petits détails, moi. Les petits cactus, les petits motifs, cœur, flèche, encore des crânes. Et des petites fleurs. Alors voilà pour ça. Après j'avais commandé ça mais c'est venu en retard, donc ça sera pour l'an prochain. C'est des petites décos pour Noël. Vous avez des étoiles, des petites cloches. Je sais pas si vous arrivez à voir un peu ce qu'il y a dedans. En fait, c'est des décos de Noël. On verra ça pour l'an prochain. Ensuite, j'ai trouvé des petits jets à effet métallique. Sur le site, ils paraissent bien, mais en vrai, c'est pas. Je trouve que c'est pas aussi flagrant que ça. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et c'est du dur. Il faut un peu le mélanger. C'est un doré un peu vieilli comme ça. C'est à tester. Donc ensuite j'ai pris un argenté. Voilà. Et le dernier c'est un rose gold. Là vous avez tout le métal. Je sais pas, le chrome argenté qui est remonté, il faut les mélanger. Si vous les mélangez après, ça donne un peu ça. Voilà pour les petits gels. Par après, j'ai pris un petit lot de capsules. Mais
je sais pas, je reste perplexe parce que là, vous avez vu la taille d'ongle. C'est vraiment petit. Après, je pense les prendre pour faire des décos. Pas pour mon utilisation personnelle, ils sont trop petits. Et après, je me suis pris une lampe pour quand je fais mes poses américaines. Je pense que vous avez déjà dû la voir passer un peu partout, celle-là. Mais bon, c'est très bien. Quand on le fait tout seul, j'ai testé déjà et puis c'est beaucoup plus pratique que de balader le doigt avec la capsule et de risquer de bouger. Là, vous avez juste à glisser en dessous. Et ça catalyse super bien en plus. Je l'avais payé dans les 6 euros, un truc comme ça. Je vous mettrai les liens. Et pour terminer, j'ai trouvé des super foils. Alors si vous aimez le marbré, là, il y a de tout. Hein. Vous avez noir et doré, rose et argenté, et blanc et doré. Voilà pour les foils. Et pour le deuxième petit haul, je suis allée chez Action. J'ai pris les paillettes. Encore des paillettes. J'en ai plein déjà, mais bon, j'en ai jamais assez. Hein. Voilà pour les couleurs. On va pouvoir sortir. Hein. Donc, on a plusieurs dorés, mais c'est à chaque fois un peu. Soit un peu plus foncé, un peu plus clair. Vous voyez, ceux-là sont plus clairs. Ça va plus vers le champagne. On a du rouge, un peu rouille comme ça. C'est pas un rouge. Un rose doré, un argenté, un brun. Je pense que pour les effets sucre, il pourrait être bien. Un noir. C'est 99 centimes le lot de 12. Donc ça va, c'est pas cher. Hein. Donc ensuite, j'ai pris des couleurs un peu pastel. Donc voilà, il y a du rose, du fuchsia, du rose un peu plus clair. Là, vous avez de l'argenté. Du blanc. Ça, pour l'effet sucre, ça va le faire. On a du jaune, du bleu, du violet, encore un doré et un bleu. Et j'ai pris un troisième. Donc on a du vert, un bleu, un rouge, il me semble que c'est le même qu'avant. Un orange, un jaune, un vert, un rose et voilà, violet et bleu et noir. Ensuite j'ai trouvé cela. Donc voilà, des petites bouteilles, je trouvais ça sympa. Là, vous avez des... plutôt dans le vert et ça c'est plutôt dans le violet, bleu, violet, rose. Voilà, et pour cela, le prix c'est 79 centimes. Donc après ça, j'ai trouvé des marqueurs. Donc pour ces petits marqueurs... ils m'ont coûté 1,09€. Donc je sais pas, je tente, je regarde ce qu'on peut faire avec. Ensuite, j'ai trouvé des gants. Des gants jetables. Donc ceux-là, je les ai. Ah mais ceux-là, je les ai pris au Leclerc. C'est vrai, j'étais au Leclerc et je peux plus vous dire le prix. J'ai pas gardé la facture du Leclerc. Donc voilà, si jamais ça intéresse, vous savez qu'il y en a au Leclerc. Je l'ai marqué qu'au plus. Hein. Donc on continue pour Action, j'ai pris deux petits ustensiles pour mon portable, donc une petite bague qu'on peut fixer derrière la coque pour tenir le portable, pardon, je perds les mots, et donc une protection écran, 99 centimes et 1,79€. Donc j'ai oublié de vous dire, j'ai pris un petit meuble à 12,99€, c'est un petit meuble d'appoint sur roulette pour ranger mes petites décos, pour mettre mes gels. Voilà pour ça. Je vous laisse tous les liens des produits dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez voir si quelque chose vous plaît. Et surtout, abonnez-vous pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci beaucoup, au revoir.